billet de retour. Aircom. Putain, si c'est pas beau à voir. Oh là là, ça sent la mission en hélicoptère, tout ça. Bonjour à tous et à toutes, c'est Oliver Plasma. Oula, ça commence bien. Et on est parti pour la suite du Let's Play sur Conflict Vietnam. Alors, il me semble que nous sommes à la partie 9. Il me semble. Hop. Je compte très mal. Je m'en rends pas compte parce que je fais vraiment d'affilée les parties. Pour tout vous dire, c'était hier que j'avais fait la partie précédente. Voilà. C'est le commandant Wallace qui dirige ce truc. Tenez-vous prêts. Je dégage. Hé, par ici, mec. Elle se casse comme une bonne princesse. Hé, mec. Votre arrivée est une bénédiction. Bienvenue à la Z à Mike. L'ANV nous a attaqué toute la matinée. Ils sont partis pour l'instant, mais ils vont venir, c'est sûr. Vous devriez aller voir le commandant Wallace dans le périmètre au sud. Il suffit de suivre la piste derrière moi, elle vous y mènera. La piste. Venez les gars. Pourquoi ils sont moitié morts? Par rapport à la mission précédente, c'est ça? Attendez. Hop, ah oui, ça sauvegarde par rapport à ce qu'on a fait avant. Ah, c'est pénible ça. Mais non, mais j'ai fait L1, R2. J'ai pas juste fait R2. Ah, il faut vraiment appuyer fort le L1. Allez, venez les enfants. Bon, attention là. Un petit ratanas par terre. Putain, ne laisse pas tomber, bordel, je t'interdis de crever. Oh, ok. Merde, sale petit con. Alors attendez, Ah oui, il a plus de trousse de soins lui. Ah oui, d'accord. Ah oui, d'accord. Bon bah, c'est lui qui va tout prendre. Let's go. Alors du coup, qu'est-ce qu'ils disent là? Commandant Wallace. Survie. Alors commandant Wallace, rassemblez le groupe dans le périmètre sud pour trouver l'officier en charge de la base d'appui. Le commandant Wallace. Et ça se trouve où c'est... Ah oui, c'est vraiment pas loin. Ah oui, mais c'est tout petit, là. Ça va être une mission du genre... on doit résister le plus longtemps possible, ou un truc comme ça, à un assaut. Je suppose. Ah bah, il est là. C'est celui qui tire des mortiers, non? Ah ou non, lui, juste ici. Je sais pas qui vous êtes, puisque vous êtes là, mais vous êtes sur le point d'être attaqué. Prenez position dans ces bunkers et tenez-vous. Ça va tomber. Ok. Faut aller par là. Ah, ils sont à moitié fait avoir. Go, go, go. Faut aller où? Ah oui, bah oui. Il tire plus là. Faut se soigner les gars. J'ai fait n'importe quoi. Te laisse pas aller, soldat. Faut que je rattrape mon erreur. Ah oui, comment on le soigne lui? Ah oui merde, il est pas avec nous. Enfin, il n'est pas dans notre groupe. Nom d'un mortier. Ah bah ils sont là. Ah, Glonada, Glonada. Ça a rien fait. Au pire, restez là, là. Couvrez cet endroit. Attention. Bah là, faut faire quoi? Je ne comprends pas. Périmètre sud. Défendez le périmètre sud. Si l'ennemi perce le périmètre, la base d'appui sera débordée.
Ok. Et pyramide sud, c'est juste ici? Ok. Attends, vas-y, on balance des grenades là, on s'en fout. Oh! C'était quoi ça? Faut que je soigne. Et il reste à côté, lui, tranquille. Descendez-le, les gars! Ouais. C'est quoi sa grenade? 40 mm. Bon, ça, on s'en fiche. Enfin bon, je prends quand même, mais je sais pas pourquoi je peux pas l'utiliser. Ah, bah lance-grenade, voilà. C'était pour le lance-grenade. Comment ça se passe là? Il est où l'autre? Ah, il est là. Allez, c'est tout ce que tu sais faire. Allez, c'est tout ce que tu sais faire. Il n'y a plus personne là. Je ne comprends pas bien. Quel autre, il est à fond toujours, alors qu'il n'y a personne. Qu'est-ce qui se passe? Faut revenir. Allez, c'est tout ce que tu sais faire. Allez, c'est tout ce que tu sais faire. Ah, c'est bon. C'est reparti. Ici Fox 39, bordel, vous étiez où les mecs? Je veux un appui aérien et tout de suite! Envoyez-moi ces enculés de Charlie en enfer! Bien reçu, commandant, voilà la cavalerie! Ah! Oh, attention! Il y en a qui viennent là! Bon, ça. Bon, Ragman, je sais pas ce qu'il a fait. Il est mort. Ah, purée, j'ai perdu beaucoup de vie. Ah, super, j'ai plus de. What? Mais c'est de la merde! Ah non, mais le lance-patate, c'est de la merde! Attendez, pourtant, je tire pas sur moi. Oh là 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 là! Les gars! Je suis à moitié mort! Attendez. Allez, Ragman! Allez, Ragman, Ragman, pars d'ici! Attendez, je me soigne. Purée. Ah, il y en avait un qui avait un lance-patate là. Attention les gars, il y en a peut-être là-bas. Faut que je soigne l'autre, c'est vrai. Ah, purée. Attends, pourquoi? Ah, pourquoi des fois il veut pas tirer? Allez, soigne-le. Et soigne Doc. Purée. Il est où, Junior? Allez, hop. Bon, attendez, Os, il est encore touché. Attention là, ça va cadarder. Oh mais non! Mais non! Mais non! Mais c'est nul! Mais c'est quoi cette mission? Oh là. C'est une catastrophe! Je sais pas d'où ça vient là, les bombes comme ça. Bon, déjà faut qu'ils soignent les autres. Hop. Votre arrivée est une bénédiction. Bienvenue à la Z à Mike. Bon, allez, on va devant.
Ici la Z-A-Mike, à toute unité ami. Alors, rassembler le groupe dans le périmètre sud et aller parler au commandant Wallace. Alors, déjà. Tac. C'était pas bien clair. Alors. Putain, déjà, il y a des munitions, il y a des trucs là. Munitions CAR 15. Mitrailleuse. Échanger. Alors attendez. Ramasser, c'est mieux. Hop. Il ramasse la mitrailleuse. Comme ça, il a la mitrailleuse là. C'est parfait. C'est quand même bien mieux que le lance-patate. Hein. Le lance-patate, je sais pas pourquoi, à chaque fois, il tire par terre. Là-bas. Forcément, s'il tire par terre, il se suicide. Alors attendez. Bon, y en a un qui va peut-être se mettre là. Il y a des grenades. Vaut mieux planifier le truc. Ah, peut-être aller par là, qu'est-ce qu'il dit? Ok, très intéressant. Alors lui, on va le mettre là-bas. Tiens, par là. Donc souvent, on se fait canarder ici. Hein. Mais bon. Quand même qu'il y en ait un qui protège cette zone là. Il peut y avoir des ennemis qui viennent ici. Pof pof pof. Alors, allez, ça c'est pour le lance-patate. Pas terrible. Mauvaise idée le lance-patate. Mauvaise idée. Sacrée synchronisation. Je sais pas qui vous êtes ni ce que vous faites là, mais vous êtes sur le point d'être attaqué. Prenez position dans ces bunkers et tenez-vous. Charlie est dans les piles. Je peux sentir cet enculé. Ah, c'est parti. Ah et là c'est chaud. Bon, Ragman il s'est un peu fait canarder. Oh, calme-toi Doc, calme-toi. Voilà. Il est à 240 BPM là, c'est pas possible, faut qu'il se calme. Voilà, Os qui se fait défoncer, super. Comme d'habitude, c'est toujours lui le premier. Hein. Je sais pas pourquoi. C'est scripté. Toujours Os le premier, et c'est souvent Junior le dernier à être abattu. Ah purée. Une grenade. Voilà, je m'y attendais. Purée quoi? Une deuxième grenade? Ouais, le gars il canarde ses grenades. Attendez, bon, là il y a des ennemis là. Attention ici. Bon, il y a personne finalement. Allez hop. Il est où Junior? Il est là. Tac, let's go. Et là faut que j'aille voir l'autre. Il est là-bas. Donc, attention. Attention parce que il y a des ennemis là. Non c'est bon. Je veux pas cette arme. Bon, ça a l'air d'aller là. Junior, je sais pas pourquoi il est presque mort. Ah la cavalerie arrive. Ok. C'est au moment où la cavalerie arrive, mais c'est bizarre, elle arrive plus vite qu'avant. Étrange. Bon, ok, Doc qui se fait défoncer. Ok, super. Non, c'est pas lui. Tac, tac, tac. Je vais le soigner vite fait. Let's go. Bon, vaut mieux qu'il vienne avec moi parce que là où il est, en fait, c'est de la merde. Voilà. Au moins, être à deux, c'est un peu mieux.
par là. Bon, y a personne. Faut regarder où il y a des ennemis. Attention. Très méthodique. Très bien. Attention, ça risque, il risque d'avoir une bombe là. Ah purée! Voilà, c'est trop chaud. Allez, il soigne. Très bien. Plus personne là. Ah purée! Ah bah ils arrêtent pas avec les grenades là. Quoi? C'est quoi cette blague? Ah non, c'est pas un ennemi, ok. On sait plus. Des tirs collatéraux. Oh là là. Pardon, pardon. Alors, Os, il est où? Je sais pas si ça a vraiment un intérêt de le sauver, mais bon. On sait jamais. Hein. Allez Os, purée, je suis à moitié bugué. Oh là le bordel. Je vais plus avoir de pansement. Encore des grenades. C'est bon. Attention. Purée, Junior il a failli se faire avoir. Je n'ai plus beaucoup de balles. Ah. Ah bah parfait. On va s'appuyer et j'ai le bazooka à la place. Ok, très bien. Ah mais non! Mais pourquoi? Pourquoi il a pas échangé ça? Mais il est débile! Mais il est débile! On peut pas échanger la mitrailleuse contre le bazooka? Oh, c'est n'importe quoi. Bon, c'est pas grave. Oh le bordel! Oh le bordel! Ah purée! Purée. Je sais pas, je vais tirer par là. Bon allez hop. Ça se trouve, il va y avoir un char. Nouvel objectif principal. Très bien. J'échange. Hop. Tant pis pour le bazooka. Trop peu de munitions, c'est pas possible. Attends, là, c'est encore pire. Je vais devoir prendre ça pour l'instant. On va bientôt sauvegarder. Allez, au pire, je sauvegarde maintenant. Hop. Il n'y a pas marqué le nombre de la mission là-dessus. Première division. Le numéro. Allez go. Let's go go go. Aidez le commandant Wallace à défendre le périmètre nord. Ah purée, ça va être la même chose mais dans le périmètre nord. Okay. Ok super. Quoi, il a déjà plus de munitions lui, mais oh, l'IA qui fait n'importe quoi. Qu'est-ce que c'est que ça? Mais lui, il meurt jamais là. Il meurt jamais le marron là. Ah voilà. Putain, c'était un boss ou quoi? N'importe quoi.
Ah, c'est n'importe quoi. J'ai envie de recommencer là parce que c'est n'importe quoi. J'ai fait n'importe quoi et surtout le gars en uniforme marron, purée, il est immortel. C'est possible. Qu'est-ce qui s'est passé? Putain, fallait vider tout un chargeur pour le tuer. Qu'est-ce que c'est que cette mascarade? Attendez, déjà lui il va se soigner. C'est déjà pas mal. Os aussi. Hop. Mais non! Purée, ça c'est chiant. Mais non, mais j'ai fait L1, R... Allez! Bon, c'est pas grave, de toute façon, il est immortel, je pense. Purée, j'ai fait L1. Putain, le L1 qui marche une fois sur deux, quoi. Bon, là, voilà, là, ça sert. Boum. De toute façon, il balance tellement mal les grenades. Autant les balancer non-stop. Attention. C'est plutôt efficace ce fusil à pompe là. C'est quoi le point blanc là? Ah ok. Ah ça doit être le commandant. Oh purée! Je sais pas si on est vraiment protégé en dessous. Avec les avions qui nous canardent. Attendez, je vais les laisser derrière. Ah là, il n'y a personne. Attention, ça va exploser. Non, c'est bon. Ah voilà. On va les dessouder avec ça. Oh super, 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 j'adore. L'avion de merde qui les a tous explosés. J'adore, j'adore, j'adore. Ok, il y en a un qui arrive là derrière. Bon, je sais pas ce qu'il fait. Allez, on va les soigner. Allez, Junior là, qu'est-ce qu'il fout, Junior? Putain. Quel branleur ce Junior. Pas possible. Ah, qu'est-ce qu'il a foutu? Alors attendez. Voilà. Let's go. Oh purée. N'importe quoi. Ah mais eux ils sont plus costauds, ouais, les marrons. Faut plus les canarder là, ça doit être des commandants ou je sais pas. C'est pas clair. Ok, lui on va le laisser là-bas. Lui, il va aller par là. Et j'ai plus de balles ou quoi, là? C'est quoi cette blague? Ah non, si, c'est bon. Ok, lui, il arrive. Et qu'est-ce qu'il fait? Il est passé où, cet abruti? Deux qui sont morts, ok. Purée, l'avion. On comprend rien, on sait même pas où il tire en fait. C'est n'importe quoi! On voit rien! Oh là là! Ok, lui toujours là-bas en train de canarder. Allez, crève, crève! Purée, purée, vite! Vite! Putain. C'est bon. Là je me concentre, je ne parle pas beaucoup. C'est un peu plus compliqué ce passage. Ah purée, il y a des ennemis derrière. J'ai vu le radar. Au pire, Os vient vers moi. Ah non, c'est lui Os. Ah merde. Moi j'ai cru que c'était celui que je venais de soigner. Ah purée. Enfin, y a Ragman, mais c'était qui l'autre alors? Ah purée, c'était Doc. Qu'est-ce qu'il foutait là, Doc? Putain, les gars. Oh,
c'est le bordel. On sait pas d'où viennent les explosions en fait. Objectif accompli. Attendez, je vais les soigner. Hop. 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 Bon, parfait, je pense qu'il faut revenir. Attendez. Périmètre nord. Pourtant, il y avait marqué objectif accompli. Je comprends pas. Bon, il y en a un qui vient vers moi. Attends, je vais me faire défoncer là. Allez, soigne-toi. Putain, mais. On dirait que c'est Ragman qui lui a tiré dessus. Ils sont. Ah oui, mais faut faire quoi là? Faut toujours défendre, et pourtant il avait marqué nouvel objectif. C'est pas clair. Pourquoi il me dit d'aller là? Ok, super. Ah, c'est bon. Oh purée, il y en a encore deux qui sont morts. Soit faut jamais qu'ils soient groupés. Le problème, c'est que c'est impossible de savoir où ils tirent là. Ils bombardent partout, quoi. Furie. Bon, ils sont où, ces abrutis, là? Ok, là-bas, il y en a. Ok, je sais pas où il balance sa grenade, il est con. Purée, je vois rien du tout. Y'a plus personne, là? Ah, purée, le bordel. On comprend rien du tout. Ok, Junior il s'est fait tuer par je sais pas quoi. Oh le bordel. Non mais il en faut. Ah, il en faut un, la mitrailleuse. Ah purée, 8, ça. Allez, go. Faut soigner les autres. Allez. Allez. Ah, purée. Compliqué. On est dans la merde. Bon, ils sont morts, là, ces abrutis. Ok. Allez, let's go. Là, il y en avait plein. Il y en avait plein, ici. Faut les choper. Je ne sais où, mais faut les choper. Ah, ça vise quelque part, là. Ça vise vers le haut. Ça vit peut-être un Viet Cong, hein, je ne sais pas. Ah bah oui. Oh bah purée. Nom de Zeus. On a réussi, je ne sais pas comment. C'était n'importe quoi. Complètement n'importe quoi. Attendez, on est à combien de minutes? Tac. 29. Ouais, allez, on fait la prochaine mission. On fait la prochaine mission. Alors attendez, bah lui il a besoin quand même d'être mieux en médecin, en médecine, parce que bon, il est assez mauvais en fait, quand il soigne, ça soigne pas vraiment. Enfin le pire c'est Hoss, mais c'est normal, il est qu'à 3 étoiles. Mais même à 5 étoiles, c'est pas fou hein. À 6 étoiles on voit vraiment la différence par contre, hein. Que voilà, on va mettre une étoile de plus. Bon, la mitrailleuse, j'ai plus assez. Grenade. J'ai l'impression que Ragman, il est nul à chier en grenade. Attendez, on va voir là. Mais non, je veux changer de personnage. Ah, pourtant, il est à 3 en grenade, c'est pas nul. Tireur d'élite, fusil d'assaut, trop cher. Fusil de combat, c'est pas le fusil à pompe? Fusil de combat. Bon allez, on va faire pas mal le fusil de combat. La médecine pour lui. La médecine c'est quand même très important. Tac. Bon allez. Comme ça on est plutôt bon. Petite sauvegarde. Hop. Au propre. On avance. Doucement mais sûrement. Fichtre.
C'était un peu laborieux cette mission. Bon, moins compliqué que la mission d'infiltration juste avant. Hop. Continue. Putain, je deviens trop vieux pour ces merdes. Sergent ! Commandant ? Nom de Dieu, fils. Serrez-moi la main. Ça a été l'un des plus beaux combats que j'ai jamais eu le privilège de voir. C'est grâce à des gens comme vous que s'est bâti le pays que j'aime. Je vais vous dire. Je vais personnellement faire en sorte que chacun d'entre vous reçoive une citation pour ça. Attention ! Deux balles ! Deux balles ! Enculé de communiste. Ah ! Je saurais pas ces conneries ! Regardez-moi ! Commandant, appuyez sur la détente ! Vous pouvez le faire, commandant ! Allez putain, allez appuyez sur la détente ! Pour l'oncle Sam ! Ah ! Oh mon Dieu ! Merde ! Sergent, vous êtes en vie ? On croyait que... Bienvenue à la fête, Doc. Assieds-toi, ça va bien se passer, ok ? C'est quoi cette merde, sergent ? Fais comme moi, c'est tout. Trois balles ! Trois balles ! Trois balles ! Ça a l'air stylé. Ah, du coup, là, c'est plutôt pas mal. Là, on s'est fait. Voilà, on est prisonnier. On doit être dans un camp quelque part. C'est plutôt pas mal. Assez original. Bon, en espérant que la mission, ça soit pas un véritable fiasco. Comme celle juste d'avant. C'était un peu compliqué. Roulette russe. En effet, c'était la roulette russe, hein, juste avant. Petit bonheur, la chance. Alors attendez. Ah oui, là ça. Ah oui, on n'a pas d'armes là. Ah, attendez. Ça va pas être simple là. Ah, ok, super. Je sais pas comment il est mort. Ah, j'ai déjà plus de balles. Ah, d'accord. Bon, je suis déjà mort. Je suis déjà mort, charger la partie. C'est génial. Ouais, faut se cacher. Fallait que j'appelle un peu plus tôt Doc. Le puceau. C'est un peu long. C'était presque un temps de chargement de PS4. Presque. Alors, faut que je l'appelle direct. Il nous voit là ! Attention. Super, 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 super. Il y a des potions. Il y a du soin ici. Baïonnette. Faut que je me soigne. Il y a des grenades là. Je sais pas ce que j'ai récupéré là. Jumelles. Ah super. Super, mais je veux pas des jumelles moi. Oh là là, c'est complètement bugué. Ah d'accord, les coups de couteau ne lui font rien. Ok, très bien. Qu'est-ce que c'est que ce jeu? Il tente des trucs mais qui ne sont impossibles avec ce gameplay complètement foireux. C'est pas une mauvaise idée, l'histoire de, voilà, on commence désarmé parce que, voilà, on a été pris en otage. Enfin, pas vraiment pris en otage, plutôt capturé. Mais bon, qu'on se fasse tout de suite repérer après, c'est un peu nul. Qu'ils viennent tout de suite comme ça dans la cabane. Ça n'a pas vraiment de sens, mais bon. Voilà, admettons, ils ont entendu un coup de feu.
Voilà, super, il nous tire direct dessus. C'est quand même... c'est quasiment impossible. T'es obligé de te faire avoir la première fois. Bon, il vient ou pas l'autre là? S'il fout. Voilà. Donc hop, on chope ça. On va se soigner. Oh purée. Mais ça lui fait rien. N'importe quoi. Bon allez, coup de couteau, coup de couteau. Ils veulent que je fasse quoi? Mais ils veulent que je fasse quoi? Mais n'importe quoi. Et non, mais plus on avance, plus le jeu est nul. Et puis moi, c'est plus fort. Quand je suis pas grossier, c'est encore pire. Ça veut vraiment dire que... Là, je le pense, hein, le jeu, il est nul. Encore quand je dis, c'est de la merde. Ça, c'est un peu de la mauvaise foi. Là, par contre... Là, c'est vraiment nul, mais de chez nul. Zéro. Zéro pointé, quoi. Puis, mais même dans Desert Storm, il n'y a pas des situations aussi nulles. Bon, allez hop, c'est bon, on va courir direct. Moi je m'en fiche. Allez hop, faut y libérer les autres, alors on va voir. Il y en a là. Voilà, alors attendez. Ils sont où? Ils sont pas du tout par là. Mais qu'est-ce que c'est que ce passage? C'est impossible, il nous voit direct. Surtout, il tire direct alors que... ils savent pas ce qui s'est passé, quoi. C'est pas logique. Il devrait juste venir, mais qu'est-ce qui s'est passé? Hop, ils viennent. Et ils tirent pas direct. Ils tirent direct à travers le bois, comme s'ils nous voyaient à travers le bois. Alors, je veux bien que les balles nous touchent à travers le bois, c'est logique. Parce que le bois n'est pas impénétrable pour les balles. Mais... Par contre, tu n'as pas une vision infrarouge qui peut voir au travers des murs. Purée. Vision du turfu, là. Comment ça se passe? Bon, la jumelle... Je m'en fiche un peu des jumelles, hein. Moi je voudrais bien une vraie arme. Enfin, quelque chose quoi. Bon, je sais pas ce qu'il fait Doc là, Doc Gynéco là. Qu'est-ce qu'il fout? Voilà, on se met là. Bon pire, il reste ici. Lui il reste ici. Incroyable, on s'est pas fait voir. Attention. Ok. C'est dommage, c'est que c'est pas complètement loupé là, c'est pas très moche. Bon, la texture c'est un peu chaud quand même, mais bon, au niveau des décors, c'est quand même un petit peu inspiré. Arbalète. On a une arbalète, ok, très bien. Et un K47 ici. Avec seulement 5 balles, hein, donc bon, autant dire qu'il ne sert à rien le K47. Oh purée, est-ce qu'on peut l'avoir comme ça? On peut l'avoir au couteau, si je trouve le couteau, hop. Voilà. Nickel, on a un peu de munitions. 30, il y en a un là-bas. Il vient ou comment ça se passe? Attention. Il est de dos. Nickel. PM, machin, qu'est-ce que c'est que ça? Et on l'échange contre l'arbalète? Ah, comme par hasard, ça serait trop beau que ce soit l'arbalète. Alors après... Ouais, il a pas mal de munitions, hein. Il en a plus que l'AK-47. Je préfère garder cette arme. Bon, je reprends l'arbalète. Parce que je pense que c'est une bonne arme pour la discrétion. Ah, attention, il y a quelque chose qui m'a vu. Bah, quelqu'un m'a vu, mais je ne sais pas d'où il est. D'où il m'a vu.
En dessous, là, la cage. C'est pas clair. Faut se souvenir qu'il y a une arme ici. Ah oui, on a un là. Ah non, mais normalement, c'est... C'est un de mes compagnons, là. Ah purée. Ah, c'est bon. Hop, c'est bon. Nouvel objectif. Quoi, grenade? Qu'est-ce qui se passe? Oh, purée. Y'en a un qui m'a vu je ne sais où, là. Il a peut-être vu que son pote était mort. Peut-être que l'IA n'est pas si à la ramasse que ça. Ok, je l'ai pas eu. C'est pas grave, c'est pas grave. Allez, crève! Purée. Il y en a un autre là. Attendez, je vais me soigner un petit coup quand même. Pour vraiment être sûr. Du coup. Ok, nickel. Voilà, attention. Est-ce qu'il y a des munitions? Non, il ne largue plus d'armes. C'est nouveau. Pourquoi? Je ne sais pas. C'est une fois sur deux. Ah purée. C'est bon. Purée. Oh putain, mais qu'est-ce qui se passe? Bon. Seconde chance. Oh purée, mais qu'est-ce qu'il fout là, lui? Qu'est-ce qu'il fout là? Putain, qu'est-ce qu'il fout là? Ah, et puis lui, il a rien, il a même pas de couteau. Autant dire que je suis mort s'il me voit. Hein. Il y avait un AK-47 par là. Vite l'AK-47, hop. Ah ouais, mais je fais comment? Parce que j'ai pas de trousse de soins, moi. Ah ouais, non, c'est vrai, je peux récupérer la trousse de soins qu'il a. Ok, il est juste là. Il a arrivé, toi. T'endors pas, garde les yeux ouverts. Ok. Sur moi, allez, viens. Voilà, reste ici. Faut pas refaire croix. Faut faire quoi? Non, 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 pas ouvrir feu. Ah voilà, c'est triangle. Ok. Je me paume dans les boutons. Bon, c'est plus lui qui va se cacher là. Ragman, vu qu'il a un couteau, il est un peu mieux équipé. C'est un peu chaud, hein. Ah, ok, je me fais voir, je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi. D'où il me voit là? C'est pas clair. Bon, je comprends rien. Avançons. Je sais pas, y'a quelqu'un qui nous voit par magie là. Quelqu'un là-haut ou quoi? Sur le toit? Bon, est-ce que je sauvegarde? Attendez, parce que c'est une grande mission ou pas? Ah ouais, elle est immense la mission, mais what? Ah ouais, d'accord. Il me voit là? Oh purée, il m'a vu. Ah, y a un sniper là-bas. Y en a un qui vient. Ah purée, mais qu'est-ce qu'il fout là, lui? Qu'est-ce qu'il fout là? Mais qu'est-ce qu'il fout là, ce...
suis à fond. Ah mais j'ai plus de trousse de soins. Vas-y là, je vais niquer ce branleur là. Vas-y là. Je suis grossier. C'est bon, je m'en fiche. Voilà, on l'a tué. Cet assassin de mes fesses là. Alors. Sniper. Ah, y a pas grand chose comme arme là d'intéressant. Ouais, j'ai ramassé que les trucs à la con. AK-47. Allez, y a pas de trousse de soins là, y en a jamais. Y a pas de trousse de soins. C'est une blague. Et c'est où les trousses de soins? Ça se trouve, je suis mort là. Y a pas de trousse de soins. Non mais c'est une blague. J'en ai récupéré ou quoi? C'est une blague. Y'a pas de trousse de soins. Mais what? Attendez. Faire quoi là? Les clés de la deuxième cage, ok. Trousse de soins, trousse de soins. J'appuie partout pour choper les trousses de soins, mais non. Y'a que dalle. Ils sont radins, hein. Attention à l'autre là. Voilà. Trousse de soins s'il vous plaît, trousse de soins. Là, pas, j'ai cru voir un truc clignoter là, c'est tellement pixelisé, flou. Oh là 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 là, trousse de soins. Je crois qu'on est mort. Au pire, je sauvegarde à ce moment-là, parce que de toute façon, on n'a rien à perdre. Parce qu'on a encore un petit peu de temps pour choper une trousse de soins quelque part, je sais pas où. Avant qu'il ne perde connaissance, enfin qu'il meure, tout simplement. C'est plutôt ça. Ah là là. Bon, ok, on s'en fiche. Paf 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 paf. Y'a que dalle, y'a que dalle, y'a que dalle, y'a que dalle. Bon, y'a que dalle. Alors, est-ce qu'eux ils sont équipés de quelque chose? Ils sont équipés de rien du tout. Est-ce qu'on est obligé de. Faut que les trois survivent. Fais en sorte que Ragman. Ok, faut que tout le monde survive. Ok, bah, du coup, c'est mort. C'est n'importe quoi cette mission. C'est quoi que j'ai vu là? J'ai vu un truc. Ah, ok. Ah, mais bon, mon gars, y'a pas trop. Oh purée! Il y en a ici. Alors il faut que je note où c'est, parce que je crois que je vais perdre. Ici. Ok, à l'est ici, les bâtiments. Ah, parce que c'est trop de gestes. Ouais, tant pis. Du coup, je charge la partie, hop. Alors, on va faire comme ça. Voilà, alors, sur la carte, c'était ici. C'était juste à côté, juste en face. Là. Voilà, nickel. Et là, je pense qu'on va avoir le temps. On est bloqué là. Bon, attendez, je vais d'abord le délivrer lui, s'il veut bien. Voilà. Oh, putain, c'est où? Allez, cours plus vite. Le problème, c'est qu'on peut pas sprinter. Ah, c'est aussi loin que ça. Ah, il est aussi loin que ça. Bon, ça passe quand même, ça passe quand même. Voilà, nickel. Propre. Alors, faut trouver maintenant l'autre. Ah, purée, c'était quoi ça? Ok. Échange. Ah oui, j'ai beaucoup de munitions là. Attendez, il reste lui. Alors lui, où est-ce qu'il est foutu lui? En bas à gauche. Ah, c'est au début. Il est au début. Ah, lui, il est blessé. Super. Tout le monde est mal en point et il est blessé. C'est le bordel, c'est l'anarchie. Ah, ça doit être la suite ici. Ah, c'est ça. Bon, Pierre, lui, il attend là. Tac, 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 tac. J'ai l'impression qu'on les a tous dessoudés, les ennemis ici. Faut toujours être quand même sur ses gardes. Tac, 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 là. Il est verrouillé. Ah, c'est pas lui, attendez. Ah, il est là. Ah, merde, c'est Junior. Bon, attendez. Ah, c'est Junior, c'est Doc. Tac. Bon, il va venir de toute façon. Ce qui est pas mal, par contre, c'est que c'est comme dans Desert Storm, on peut, si on touche pas la manette et qu'on sélectionne notre coéquipier, hop, il continue toujours à suivre l'ordre. Le dernier ordre qu'on lui a donné. Hop. Je soigne. Et j'essaie d'ouvrir, je sais pas comment. Voilà, comme ça. Tac. Ok, let's go. Attendez. Récupérer des armes, des trucs. Voilà, c'est échange. Alors, bon, lui il est déjà bien équipé. Il faudrait que ça soit lui.
Lui qui récupère des AK-47 là par terre. Tac, munitions. Finalement, elle est pas mal cette mission. C'est vrai, elle commence un peu à l'arrache. Mais après, c'est bon. Ouais, c'est quand même original. Où notre pote là? C'est là la suite? Ah. Attendez, c'est où? Where is Junior? Qu'est-ce qu'il fout, Junior? Il est où? Bon, je vous reviens. Ah, il est ici. Tac, 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 tac. Soigné. Et on a ça, ça au niveau arme. Grenade. Bon, j'appelle tout le monde. Hop. Venez vers moi. Ah, mon commandement. Alors, lui, il a que des arbalètes. Alors, autant que, voilà, autant que je lui passe l'arbalète, tiens. Tac. Voilà, comme ça, il a une arbalète. Bon, c'est mieux que rien, mais bon, il a que 3 balles. Hein. Il a 3 flèches. Ok. Bon, on n'est pas hyper bien équipé non plus. Hein. C'est un peu... La carte à solo, fin. Va falloir donner un peu de... Tac, un peu de trousse de soins à Doc, un peu de trousse de soins à machin, Rayman, et à Junior. Au pire, allez, comme ça. Bon, je prends Rayman parce que... Ah, quoique... Enfin, si. Je prends Rayman parce que il a... Il a un couteau, à la Rambo. Et il a pas mal de munitions. Ah, une Jeep. Oh là là, ça va être la cata. On va diriger une Jeep dans un jeu Pilot Games. Oh là là. Attendez, faut aller où là? Je comprends pas. Ah ok, et on vise avec comme ça à l'arrache. Voilà. Plutôt marrant. Allez, écrasez-les! Ah, purée. Vite, vite, vite! Alors, on passe par là. Oh là 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 là, le bordel! Aïe aïe aïe, mais c'est quoi ça? Ah oui, c'était. Il avait un lance-patate. Ah, purée! Oh, le bordel, le bordel! Oh, on se fait attaquer par quoi là? Ah, de toute façon, on a des munitions illimitées. Ah, oui, je peux canarder à l'infini. Vite, 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 vite. Je sais pas où on est rendu sur la carte. Attendez, je vais regarder. Ouais, on avance un petit peu. Voilà, ça monte. Allez, elle n'a pas beaucoup de couple, cette petite Jeep. Voilà. Alors, on peut pas viser plus précisément. Ouais, c'est... Ok. Ouais. Allez, vas-y, 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 avance. Alors, la cata, nouvel objectif. Attends, je rêve où il y avait une deuxième Jeep. Vous pouvez prendre une deuxième Jeep, attendez. Ah, purée! La cata! Ce qui est bizarre, c'est que il n'y a que lui qui a pris feu. Ok. Bon. Compliqué. Heureusement que j'ai sauvegardé quand même. Alors là, maintenant, on sait où ils sont, etc. Alors. Est-ce que ça sert de vraiment faire attention aux équipements? Parce qu'après on est dans la Jeep, on avance, et de toute façon on est obligé d'avancer avec la Jeep. Ouais, je sais pas. Allez, venez les enfants. Oh là là, comment ils montent. Allez, let's go. Putain, on a déjà perdu un peu de vie de la Jeep. Oh là. Ça commence bien. Oh là là. Attention. Attention, là, il y avait des bombes.
Ah là, piège à con, ouais. Mais comment on esquive ça? Comment on esquive ça? Mais c'est n'importe quoi! Tu vas cracher des balles pendant... C'était génial sa phrase là! Non mais attendez, par contre. C'est n'importe quoi là, le piège à Kong là. En fait, fallait s'arrêter quoi. Il est où l'autre? Ok, il y a lui là. Il est où l'autre qui est blessé là? Je le vois pas. J'appuie sur croix, il se passe rien. Allez! Purée, mais. Allez, Doc là! Il est caché là-dedans. Bon, on va continuer sans la Jeep. Hein. Super. Alors, attention. Hein. Oh là là! Il y en a tout le temps des ennemis, c'est incroyable! Bon, attendez, au pire, je pars juste avec un seul soldat. J'arrive pas à l'avoir. Toujours pas mort! Purée, qu'est-ce qu'il a? Il meurt jamais, le gars! Attention! Ah, y'en a un qui m'a suivi! Mais pourquoi il me suit là? Bon, c'est pas grave. Démonter, démonter! Qu'est-ce qu'il fait? Ah, c'est bon. Je sais pas pourquoi il voulait pas démonter. C'est pas clair. Alors j'ai des munitions AK-47. Faudrait que j'en passe à quelqu'un. Tac tac tac. Lui c'est un AK-47. C'est qui a un AK-47? Bon lui il a rien du tout. Alors, Jaco faut qu'il vienne. Échange AK-47. Parfait. Bah, au final c'est peut-être plus simple sans la Jeep. Hein. On va avancer plus doucement mais au moins. Ils sont les munitions là. Il y avait un AK-47 par terre ici. Ok super, démonte. Donner Ragman, c'est pas ça ce que je veux faire. Où est ce putain d'AK? Voilà, c'est bon, merci. On va continuer tranquille comme ça, hein. On est obligé. Il y a des PM là. Attendez, lui aussi, Junior aussi, il a un AK-47. Au pire, ah purée, il arrête de choper ce truc là. Au pire, on fait un échange, voilà. Je vais déposer ça, et je vais prendre le PM ici. En plus, toutes les munitions du PM. Ah ouais, ça va les coups là. Alors Junior, faut qu'il récupère le PM, l'AK-47 par terre. Tac, tac, on avance. Faut pas non plus avancer trop vite. Faut pas qu'ils soient tous au même endroit. Ah oh, purée, bah y... Je sais pas s'ils ont entendu les autres. Ah mais bon, inesquivable le truc. Alors ça c'est AK-47, AK-47 c'était lui, je crois. Quoique je suis pas sûr que ça soit d'accepter. Ok super, c'est Junior peut-être. Ah c'est Junior, il y a un AK-47 j'ai vu, visuellement. On l'attend. Ah Fury balance une grenade lui, attention. C'est bon. Ah ils sont fourbes. Ah là, la fourberie de scapin. Fusil d'assaut, ok. Alors Junior, faut qu'il vienne, pour prendre l'AK. Voilà l'AK-47, on va le laisser ici, attention aux mines. Je pense, on les voit pas. Je sais pas, bon, on verra quand on va exploser. C'est quand même n'importe quoi. Le jeu est tellement flou, tellement pixelisé. On ne distingue même pas les mines. Ah bah sûr, d'un côté c'est réussi, hein, on ne les voit pas les mines. Et donc, c'est des vieux aplats de texture quoi, en même temps. C'est même pas en 3D. Peut-être le truc noir là. Ah ça. Ok. Bon bah là... je crois que j'ai pas de grenade. Ah, on tire. Bon ok, ils vont venir, ils vont se prendre les mines. Allez crève. Ah mais là je comprends pas comment les esquiver. En Jeep, c'est impossible. Le truc il explose pas. Ah c'est bon. J'avoue que ça allait pas marcher. C'est bon. Ah, c'est pas vraiment normal de jouer comme ça, mais bon tant pis. Hein. Et lui là, il a ça aussi comme arme, ok. Ok, attention. Là y'a pas de mine, c'est bon. On va les faire venir. Ah attends, pourquoi Junior il est quasiment mort là? Ah. Et hop, ils vont venir. Voilà. Ah purée. C'est bon. Il arrive au calme lui. Comme si c'était la maison ici. Ah oui, lui il a beaucoup de munitions. Et il a pas mal de trousses de soins. Alors déjà je vais le sonner. Il y a déjà pas mal de trousses de soins, beaucoup de munitions. WC. Munitions, machin, arbalète. Mais qui a la molette? Ça sert à quoi? Ah, peut-être pour réparer la Jeep. Ah, sûrement ça. C'est toujours qu'il y avait ce système là dans les anciens Desert Storm. Pour réparer des. Pour réparer des véhicules. Tac tac tac. Alors lui il a quoi? Il a ce truc là, FM, RPD, je sais pas ce que c'est. RFM je sais que c'est une radio, mais bon. Tac tac tac. Munitions partées. Enfin il a beaucoup de munitions lui aussi. Allez, on va tous les faire venir. C'est de leur stratégie. Attendez, on est en double. Parce que là on avance tout doucement. On a fait ça. Ah, on avance vraiment doucement. Bon, c'est plus sûr que la Jeep. Hein. C'est la Jeep quand elle explose après on sait pas si on va survivre ou pas. Ah non moi c'est un peu plus sûr. Bon, je vais faire gaffe aux mines, hein. C'est des vieux aplats de texture, c'est de la merde. Faire gaffe aussi au piège de Kong.
Attention là. Désarmé. Attention, y'a personne qui arrive. Purée, y'a aussi des mines là. Ah, c'est la mine. Il désarme la mine. J'ai cru que c'était une autre sorte de piège. Ok. La gueule des mines. J'arrive pas. Il est mort là ou quoi? Pas trop compris. C'est une jeep ça. Ah, nouvel objectif bonus. Faut faire quoi? Villageois. Un villageois a été emprisonné par le VC, libérez-le. Ah, c'est le premier qu'on avait au début, non? Logistique, le VC dispose dans ce secteur d'un certain nombre de camions logistiques qui a détruit ces camions pour gérer, pour gêner son ravitaillement. J'ai dit peut-être retourner sauver l'autre, du VC là. Parce que j'ai fait la clé. Voilà, c'est lui qui a la clé. Donc lui on va le faire revenir. S'ils sont vachement loin. Je sauvegarderai après. Après l'avoir sauvé. Et après avoir du coup canardé aussi les deux camions là, de ravitaillement. Là on sera bon, on sera pas mal. Alors, au final fallait pas prendre la jeep. Hein. Par contre c'est un petit peu long du coup hein, d'aller à pied, mais au moins c'est sûr. C'est bon, les mines c'est impossible de les choper. Hein. En jeep c'est impossible. Ah déjà là en courant on les voit à peine. Je crois que j'ai tout désamorcé là. Faire quand même un petit peu attention. Ah, des grenades. Ah c'est ça, on a explosé ici. Il y a la carcasse de la voiture. On a pas fait grand chose en jeep là. Alors, on est quasiment à la base. T'as un cul pépère. Là, c'est ça. Fusil d'assaut AK-47, on peut l'échanger. Mais moi je l'ai pas. Je vais pas l'échanger contre un flingue. Ah non, je suis obligé de faire tomber ça, purée. Bon bah on s'en fiche. Je préfère garder mon MP là. Mon MP40. Ou je ne sais quoi. PM Mat 49. Ça ressemble beaucoup à un MP40, hein, mais non. Ça n'en est pas un d'après le jeu. Après vous me direz, il n'y a pas d'allemand dans ce conflit Vietnam. Donc c'est logique qu'on n'ait pas d'armes allemandes. Tac tac tac. C'est pas du tout par là. On va sauver le gars. De toute façon il est mort de faim. On va le retrouver mort. À cause de la famine. Ah oui là. Déverrouillé. Merci, je sais qu'il y a du matériel caché à la porte de ce campement. Puisqu'il vous aider à rentrer. Ah. Mais qu'est-ce qu'il fait? C'est là-dedans, là. Qu'est-ce qu'il raconte? Je crois qu'il est bugué. Bon, bah c'est un bug. Alors voyons la modélisation. Ça peut faire peur. Ouais, ça peut faire peur. Avec le gros JPEG, attendez, on voit mieux comme ça. Bienvenue sur la PS1. Pardon, on est sur PS2? Ah, fichtre. Ah oui. Ah d'accord. En 2006, ah d'accord. Ah, parce que le pire, je crois qu'il est sorti, c'est l'un des derniers jeux de Pivotal Games, hein. Il est sorti en 2006. Enfin, est-ce que Pivotal Games continue à faire des jeux? Ça, je ne sais pas. Bon, allez, on va revenir. Il est bugué. Bon, c'est pas nouveau, hein. Il y a quand même beaucoup de bugs dans ce jeu. Enfin, dans tous les conflits, il y a des bugs. Hein. Après, Desert Storm, dans mes souvenirs, quand même, était pas trop mal codé. Hein. Il n'y avait pas trop de soucis. Bon, il était assez difficile aussi, il était assez dur, assez injuste. Un peu moins que celui-là, dans mes souvenirs. Il est quand même un peu plus simple. Enfin, un peu plus lisible, surtout. Ça, parce que là, c'est vrai qu'il y a... Enfin, leur moteur graphique, là, enfin, déjà de base, il n'est pas beau hein, dans le désert. C'est pas très beau, hein, les jeux de Pivotal Games. Mais c'est encore pire quand on est dans la jungle. Hein. Et on voit, c'est aliasé partout, on a l'impression d'être en 240p. Au secours. Pourtant, moi, je suis quelqu'un qui est assez indulgent, on va dire. Généralement. Je peux critiquer pour troller un petit peu, genre, la résolution n'est pas folle et tout. Mais là, par contre, là, c'est pour de vrai. Hein. Alors, il ne faut pas jouer des heures et des heures à ce jeu. Sinon, vous y perdez la vue. C'est compliqué. Et encore vrai que moi, j'y joue sur un tout petit écran de 17 pouces venant de mon ordi portable. Et pas trop proche de l'écran. C'est important. Au moins 40 cm de distance. Voilà. Voilà. Alors, il y en a un, je crois que l'autre il est là-bas. Alors finalement, c'est pas si long que ça. J'ai l'impression que l'aller était plus long que le retour là. Enfin, l'aller de revenir là-bas tout à l'heure, c'était plus long, j'avais l'impression. Ah, parce que je faisais un peu gaffe avec les mines. Alors attendez. Non, c'est pas par là. C'est encore après. Ah voilà, si. Et là, du coup, c'est. Bah, je sais pas, moi j'ai pas de grenade. Quoique. Ah, si, j'ai des grenades, à manche. Bon, on va les faire venir. Du coup, faut faire exploser les camions là. Bon, je sais pas trop, on va sauvegarder. Attends, on attend que les autres arrivent. T'as que je sauvegarde un petit coup. On est plutôt bien parti là. Mais c'est la dernière sauvegarde. Donc on ne pourra pas être plus loin. On pourra pas faire un point de contrôle. Rendu un peu plus loin dans la mission.
reprendre la partie. Hop. Tiens sa position. Clonata! Oui. Attendez, oui. Je vais rebalancer une grenade. C'est bon. Ah, faut peut-être faire le deuxième camion. Ok. Hop. Et là, c'est bon. J'ai pas bien compris. Bah, de toute façon, les grenades, hein, c'est pas une grande perte. Peut-être que c'est dans la cabane, là, faut faire quelque chose aussi. Faut exploser quelque chose. Bon, attention, il y a peut-être des ennemis, là. Ça me paraît bizarre qu'il n'y en ait pas. Ah, y a un camion, là. On peut rentrer dans la cabane. Ah, nickel. Il y a quelque chose là-dedans. Ah, des trousses de soins, ça c'est cool. Je suis refait. Munition Mosinagan. Munition mat nickel. Oh purée, j'ai la balle de munitions là. Ah c'est ça, le Mosinagan Kalakala. Kalash kebab. Ah c'est magnifique. Ah, attendez, il y avait des munitions là. Ah, nickel. Ah, attendez, faut mieux répartir les armes là. Ça c'est quoi ça FM machin? Je peux le donner à l'autre. Je crois que c'est Junior qui a ça. Faut que je... Non c'est Os. Il est où Os? Ah il est là. Je vais lui donner, c'est le FM machin qu'il a lui. Ah je peux pas lui donner véritablement l'arme. C'est un peu stupide. Bon, je suis obligé de faire ça. Ah bah non, il a repris le... Attendez, mais c'est pas clair. On peut pas prendre l'arme qu'on veut. Ah, parce que là c'est... Je sais pas, et peut-être qu'il compte ça comme une mitrailleuse, et là, c'est un... C'est quoi, ça? Automatique. Je sais pas ce que c'est. C'est compté comme un fusil d'assaut, peut-être. En tout cas, ça a un bruit assez caractéristique. Les monte. En tout cas, attendez ici. Si lui il prend une arme, ça fait quoi? Fusil. Ok. Et c'est à la place de l'autre? Ah, ok. Mais est-ce que c'est si bien que ça ce fusil là? Voyons. Ouais, je sais pas. On a 5 balles là. On a que 9 balles. Est-ce que c'est si bien que ça? Puis là, on a ça. Ouais, ça vaut pas vraiment le coup. Hein. Franchement, autant reprendre le PM, je pense. Puis l'arbalète, je sais pas quoi en faire, moi. Quoi? Mais quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Non, à l'intérieur là. Ah oui, lui. Mais what? Il avait une grenade. J'ai rien compris. Il nous a eu à travers le bâtiment, c'est magnifique ça. C'est quoi ça? Ah, il a récupéré les mines, ok. Quand on désamorce, on récupère. Logique. Ouais. C'est peut-être à terre, soldat, mais t'es pas mort. Bon, au pire, je prends ça, RPD, allez, on s'en fiche. Allez, c'est bon, let's go.
Oh purée, qu'est-ce qu'il fout là lui? Qu'est-ce qu'il fout là? Ah, mais qu'est-ce qu'il fout là? Ah, bah heureusement que j'ai sauvegardé. Hein. D'un coup, il y a des ennemis là. Hip hop comme ça, au calme. Mais il est où? Mais il est où ce con? Ah, il est là. Mais c'est tellement pixelisé. Recharger. Purée, c'est une catastrophe. Il est où? Je sais pas où il est parti là. Attendez, je vais les soigner. Allez, mais soigne-le! Oh purée! T'as la maniabilité, hein! C'est pas ça. Alors lui, il faut le soigner. Super, y'en a un qui m'a vu, y'en a un qui m'a vu, attention. Il est où ce con? Il est enfin mort là? Purée. Bah, j'ai pas de grenade avec lui. Attention, ils ont vu encore quelqu'un. Ah, attendez, il est où le doc? Ah, il est là. Caché là-dedans. Ça ne m'étonne pas de lui. Purée. En ce moment, on a compris. Ah, purée. Ah, j'ai touché os. Bon, c'est pas grave, c'est soigné. Je sais pas comment ils font pour soigner direct comme ça. Ah, purée. C'est à chaque fois, moi, je suis obligé d'aller dans le menu. D'ailleurs, en trousse de soins, j'ai pas mal. Il faut que j'en donne aux autres. Parce qu'ils ont rien. Non, vaut mieux y aller, vaut mieux aller. Allez, hop. On y va. C'est bon. Trop dangereux. Oh, c'est le bordel là! Ah oui, ils ont des espèces de lance-grenades! Ah, mais là c'est chaud! Là, si ça se trouve, faut avoir le. Faut avoir la Jeep! On peut tricher, mais bon. Un peu compliqué! Ah, super, super, super. Inesquivable. Inesquivable. Allez, d'accord. On sait même pas par quoi on se fait tuer. Par là. Et je vais y aller tout seul. Je vais essayer de foncer. On va voir. Attendez, mais est-ce qu'il faut vraiment passer par là? Il n'y a pas d'autre passage? J'ai l'impression qu'il y a un autre chemin. C'est pas très clair là. Je descends bien par là. Ah, je suis là, ok. Ok. Je regardais les flèches du haut. Allez, go! Bah oui, mais le RPG, tu veux les visiter comment? Ils sont gentils. Ils sont gentils. Pff, oh. Je pense que je vais essayer de prendre ça. Peut-être que ça, de loin, c'est pas mal. En tout cas, ça a rien fait pour le MP40, là. Oh, le MP machin, PM. Ça a rien fait du tout. On l'a eu. Ok, il y en a un deuxième. Ils sont combien à avoir des RPG là? Ouais. Ils sont tous à avoir des RPG ou quoi? Comment ça se passe? Oh là, le bordel. Oh le bordel, cette mission là. Ça sent la mission finale quand même. Ou pas loin. J'espère. J'espère. J'ai assez donné.
Ah bah non, il est toujours pas mort celui-là avec le RPG, putain. Mais il est immortel. C'est quoi ce jeu de merde? Non mais il est immortel là. N'importe quoi. Ah ça y est, là je suis pas content. Mais surtout que... D'où il me voit là? D'où il me voit? Incroyable. Mais d'où ça me tue là? Je suis mort par quoi? Je suis mort par quoi? On peut le voir? C'est un bug? Le truc il explose comme ça. Ah d'accord, très bien. Mais très bien. N'importe quoi. On est à combien de temps? Parce que là, genre... 1h40. Ah, je vais faire beaucoup de coupures, comme d'habitude. C'est compliqué. Beaucoup de fails. De mon côté, je sais pas quelle heure il est, mais... Je finis trop tard aussi. Oh, purée. Ah oui. Ah, quel jeu catastrophique. Ah, c'est bon, je suis plus l'objectif secondaire. Ça sert à rien, de toute façon. Allez, hop. On a compris. Peut-être que sans faire ça, ça passe mieux, je sais pas. Peut-être qu'il y aura pas de RPG de merde. Je pense que c'est impossible sans, sans la Jeep. Je pense que c'est vraiment impossible sans la Jeep. J'ai merdé, j'aurais peut-être pas dû sauvegarder en fait à ce moment-là. Je sais pas d'où il nous touche là. J'ai beau tirer, ça ne marche pas. Je vais vous faire quoi? Faut que j'avance comme ça? Mais d'où il... Là c'est illogique. C'est illogique. Pff, on va avancer comme ça, mais c'est illogique. Mais c'est illogique. Il tire comme ça à l'infini le gars. Faut que j'ai un sniper là. Il me voit de là! Il me voit de là! Il y a un jaune plusieurs fois! Bah, il me voit de là! Bon, on va continuer à avancer comme ça, mais enfin, je pense que c'est là, non? Bah, il y a l'autre ici, là! Que faire, que faire, que faire? Je crois que c'est impossible cette mission. Là, on est bloqué. On est obligé d'avoir la Jeep. Putain. Si je fonce comme ça, on s'en fiche, on s'en fiche, on s'en fiche, on s'en fiche. Go, go, go! Go, go, go! Ah, putain, j'y étais presque! Bon, c'est possible. Faut juste aller sur la droite. Y'a des autres abrutis qui nous tirent dessus. Allez, crève! Attention! Ah, allez vite! Oh la galère, la galère! Je sais pas où il est là, on voit rien du tout! On voit rien du tout! Faut aller où là? Par ici, mon pote! Salut, je suis le sergent Bruce Stone. Nouvel objectif principal, il faudrait que je soigne au doc par contre, là, il est vraiment dans la merde. Bon, salut toi! Il est où, doc? Ah là là, doc gynéco! C'est bon! Bon, moi je vais peut-être mourir, mais c'est pas grave. Ouais. Allez, doc gynéco, mais qu'est-ce qu'il fait? C'est n'importe quoi, on comprend rien. Allez, crève! Pas mal. Il est où l'autre? Il est où l'autre? Ah, c'est bon. C'est bon. Voilà, on peut y aller. Il est venu vers moi, tac. Là, on est bien parti. Putain, j'aurais dû faire une sauvegarde plutôt ici. Enfin, quoique, bon. Tant pis. Parce que là, du coup, on est rendu où? Ah, on est à la fin! On est vraiment à la fin! Pour ce qui est de remettre les pieds dans la jungle, je suis pas pressé! Ah, bah, moi aussi, je suis pas pressé. Hey, let's go, let's go, let's go! Ça va être enfin la fin, purée! Oh là, cette partie, elle est éprouvante! Pire que la phase d'infiltration. Lors de la partie précédente, purée. Là, j'étais quasiment persuadé qu'on était bloqué, hein. Parce qu'on n'avait pas réussi à garder la Jeep. Bon, là, il en reste encore des ennemis. Allez, ça doit être la dernière phase. Ils
Ils sont où là? Ok, Os il est à moitié mal en point. Attention. Putain, il y en a là-bas. Voilà. Attendez, je vais me soigner. On va soigner les autres. Soigner machin, soigner machin. Tac. J'espère qu'il n'y a pas de... C'est bon, j'espère qu'il n'y a pas de grenades là, c'est bon. Parce qu'on est tous regroupés. Hein. Oh, vain Dieu! Oh, nom de Zeus! Le soulagement! Oh, on a avancé. Et 42 minutes, non, non, en réalité c'est 1h30. Oh purée! Oh, la partie elle fait 2h. Enfin, je vais vous couper tout ça, hein, mais... Oh, purée. C'était compliqué. Hein. Bon, en réalité, sans vous mentir, nous sommes à 1h47. À l'heure où je vous parle. 1h47 de vidéo d'enregistrement. Je pense que vous en serez peut-être à 1h20, un truc comme ça. Peut-être, je sais pas. Peut-être 1h. Purée. Quelle partie. Mais quelle partie. En plus, ça continue encore. Oh là, le jeu n'est pas fini. C'est pas possible. Non, je pense que c'est vraiment la dernière mission, là, après. C'est pas possible. Il est hyper long, ce jeu. Putain, il fait 15 heures. Putain, pour un jeu de guerre de l'époque, c'est vachement long. Fusil de combat. Lance-roquette. Bon, après, c'est peut-être parce que, aussi, j'en peux plus. Parce que Uncharted, finalement, c'est à peu près la même durée, mais ça passe beaucoup plus vite parce que c'est un jeu maîtrisé, intéressant. Un conflit Vietnam, là, j'en peux plus. Ah, purée. Mais d'un côté, je veux quand même... Je suis un peu intrigué sur la fin. Qu'est-ce qui va nous attendre? Fusil de combat, fusil d'assaut... Il faut quand même rentabiliser le jeu, hein. Je l'ai eu au vide-grenier à 2€. Attention. Voilà. Fusil de combat... ouais, fusil de combat, allez. Ok, médecin, ça aurait pu être pas mal. Allez, médecin. Médecin, de toute façon, c'est vraiment pas mal, médecin. Médecin, vas-y. Tous médecins, quoique, attends, fusil d'assaut peut-être lui, tac, coup de fusil d'assaut là. Médecin, vas-y. Médecin sans frontières. Vas-y, médecin. Voilà. Très bien. Petite sauvegarde. Alors là, si la partie suivante, ce n'est pas la dernière, vain Dieu. Mais... Purée. Ce jeu valait beaucoup plus que 2€ en réalité. Vain Dieu. Sauvegarde terminée. Ah là là. T'as moi à l'époque quand j'avais vu 2€ conflit Vietnam, je me suis dit... Oh purée, c'est un conflict. Ça va forcément être aussi bien que Desert Storm, là, le premier. Même si je m'étais fait chier par contre au Desert Storm 2. Parce que bon, c'est vrai que Desert Storm 2, j'avais pas continué parce que je le trouvais pas vraiment fou. C'était l'époque où j'avais à côté de ça Splinter Cell, Conviction. Il y avait le Zelda Twilight Princess sur la GameCube. Fire Emblem. Zelda Wind Waker que je découvrais à ce moment-là aussi. Et je l'ai découvert assez tard, Wind Waker. Donc oui. Il y avait autre chose. Il y avait autre chose que Desert Storm 2. Mais j'ai de bons souvenirs du premier, en tout cas. Enfin, c'est un jeu passable. Et là, de tout ce qu'on a fait, je trouve que Conflict Vietnam est bien inférieur à Desert Storm 1. Alors peut-être que c'est la nostalgie, si ça se trouve Desert Storm 1 n'est pas mieux.
Bon, on verra ça lors du prochain let's play, hein, le let's play qui suivra juste après celui-là. Mais voilà, en tout cas, on avance quand même. Purée, moi j'avais peur de ne pas avancer. D'avoir tourné la vidéo pour rien. Et donc de tout couper et de faire que la première mission. Et finalement, voilà. J'ai quand même réussi. Le talent. Ou la chance. Je ne sais pas. C'est un peu n'importe quoi. Je n'ai rien compris. Sur ce, je vous dis à la revoyure pour de nouvelles aventures et pour la suite de Conflict Vietnam.